Les stars du web avec un bec et des ailes, les cigognes de Saralbe en Moselle, elles sont filmées en permanence depuis plusieurs années maintenant sur le toit de la mairie. Et cette semaine, un événement particulier s'est produit, la naissance de trois cigognos. Elle a tenu tous les fans de ces cigognes de Saralbe en haleine, parmi eux Guillaume Gruber et Vincent Reclis. Elles surveillent très attentivement leur nid en ce moment. À Saralbe, c'est la saison des naissances pour les cigognes. Grâce à cette webcam, il est possible d'assister aux premières heures des cigognos. Tous les ans, on suit ça, avec beaucoup de patience et on les attend. Oui. Il y a maman qui est en train de courir, papa il va promener. C'est sympa, quoi. Puis on sort, on regarde les cigognes, on regarde la nature. Voilà. Depuis 6 ans, avec l'installation de cette caméra, les cigognes sont devenues l'emblème de Saralbe. 36 couples nichent actuellement. C'est le retour des beaux jours et puis pour nous, c'est la fierté que les cigognes sont revenues parce qu'il y a pendant un bout de temps, elles n'étaient pas là. Il n'y en avait plus autant. Oui, oui. C'est vrai. Et c'est bon, maintenant à Saralbe, c'est sacré les cigognes. Chez les cigognes, entre le père et la mère, le partage des tâches se fait en totale parité. Vu le modèle, je penserais plutôt que ce serait le mâle parce que le mâle est assez costaud. En Lorraine, Dominique Klein suit ses oiseaux depuis de nombreuses années. Pendant les 32 jours de couvaison, il y a toujours un couveur. Hein. Soit des fois les deux, soit un s'en va chercher à manger, le deuxième est au nid. Et ensuite, pendant 50 jours encore, il y a toujours une permanence au nid. C'est toujours un vieux réflexe à cause des prédateurs. La webcam des cigognes de Saralbe est consultée 50 000 fois par jour, parfois à l'autre bout du monde. Luc se connecte quotidiennement. Quand on aime les cigognes, oui, ça procure une certaine émotion. C'est vrai. Déjà voir les petits casser la coquille et naître, c'est superbe, quoi. C'est touchant, oui. En 3 mois, les cigognos vont multiplier leur poids par 40. Ils seront ensuite capables de voler et de migrer à plusieurs milliers de kilomètres.